femmes sont plus ingrates que tous les mecs les plus infects réunis tous ensemble. Et où tous les pires coups de salope de pute sont permis. Vous pensiez qu'être hétéro n'était pas chose aisée. Attendez de voir. Les love. Amour lesbien. Ton petit nom. T'es nouvelle dans le milieu, toi? Je te connais pas. Do, mais tout le monde m'appelle Do. Attends, t'as une belle petite gueule. Peut-être quel signe? Attends, taureau. J'ai bien vu que tu draguais cette fille tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui souhaitais juste la bienvenue. Écoute, si tu veux me perdre définitivement, continue de me détruire. J'ai assez souffert de mon passé extrêmement lourd. On m'a trahi. Je ne le supporterai pas une deuxième fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. Tu n'es qu'une manipulatrice. Mais... Sors de ma vie. Quand la confusion monétaire prend le dessus de la confusion du genre qui lui-même prend le dessus sur la confusion amoureuse pour y mettre plus de confusion interne à l'intérieur de l'amour psychologique. C'est clair qu'elle la draguait. Tu l'avais remarqué? Ouais, j'ai tout vu derrière mon casque. Mais elle est immonde. Comment on peut faire ça à toi? Si belle. Jenny, je... Ouais, faut pas que ma meuf le sache, hein. Non, non, t'inquiète, ça restera entre nous. Ok. Tu sauras qu'elle a DJ, c'est ça? Mais tu paranoïes tout, quoi. J'en ai marre de ce mal destructeur entre nous, quoi. Je t'ai offert tellement de choses, tellement... Mais reprends tes cadeaux plic-ploc. Plic-ploc, je t'ai offert des fleurs, quoi, t'en avais envie. Mais la peine psychologique malsaine, c'est décœurant, j'en ai marre de cette violence, tu comprends? Quand la perversion narcissique de la manipulation de l'escroquerie touche au syndrome de la souffrance de l'ego, Les Love, un film dramatique d'amour social lesbien. Bonsoir. Ça, c'était vraiment une bonne. Franchement, public, génial. Ben, oui, bravo. On sent que tu t'es donné à mort. Ouais, ouais, moi aussi, je l'ai senti. On sent que tu travailles bien dans l'instant, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Putain, mais c'est pas toi qui t'appelles Do? Si. C'est toi qui t'occupes d'artistes, l'agent et tout? Oui, mais enfin, je m'occupe d'artistes dans la poterie, de l'art abstrait. Faut absolument que je travaille avec toi. J'aurais vraiment, vraiment envie de te revoir. Pourquoi pas? Appelle-moi, s'il te plaît. On va faire du bon boulot ensemble. Anya. J'ai jamais ressenti ça pour personne. Je veux vivre avec toi. T'as pas intérêt à me briser le cœur. C'est pas un peu... prématuré? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça apporte rien de nouveau. Tu serais pas devenue un peu laide ces temps-ci? Quoi? Mais est-ce qu'on peut pas discuter? Écoute, je vais être très claire. Ok? Je rejette l'autre quand elle devient trop proche, tu comprends? Oui. Tu es l'incarnation de la perversité. Oui. Sache, Do. Sache que tu peux pleurer ma vie. Voilà pourquoi je pars. Et quand on ne sait plus quoi faire de l'amour destructeur et savoir si on est détruit ou si on détruit l'autre ou si l'autre nous a détruit parce qu'en fait on l'a détruit parce qu'on était détruit, enfin, c'est confus. Amour lesbien, le nouveau film de Morgan Vankilevitch avec Sandy McKay, Dunia Dubois et Sandra Duvert. Quand la vie d'une homosexuelle tourne au cauchemar. Basé sur des faits réels, mais toute ressemblance avec une éventuelle connaissance est totalement fictive. À voir peut-être un jour sur vos écrans.